On est toujours en voyage au beau milieu des océans. Des kilomètres à la nage à traverser les continents. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro des Têtes Blondes. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons de nouveau parler d'un dessin animé, cette fois-ci d'un dessin animé que vous avez pu voir en intégralité un épisode, l'épisode 5, lors de l'archive intégrale du 25 décembre dernier, du jour de Noël de Midi du Zouzou. Il s'agit de La Vache, le Chat et l'Océan, un petit dessin animé de 12 minutes, de 52 épisodes en tout, avec une grande histoire, pas forcément, mais en tout cas, je voulais vous en parler aujourd'hui dans les Têtes Blondes et en faire une vidéo, et demain vous aurez bien sûr la vidéo archive avec le générique de début et le générique de fin. C'est parti. La Vache, le Chat et l'Océan est un dessin animé qui date de 2006-2007 officiellement, puisque il aura été lancé le 30 décembre 2006 sur France 5 dans Midi les Zouzous, et oui. Et donc l'épisode dont je vous avais donné devait dater de début du janvier 2007, qui était donc de le cinquième. Voilà, c'est ça, ça. Alors, c'est une série, un dessin animé, qui est en 2D, avec 52 épisodes de 12 minutes, créés par Hugues Mawas. Donc, avec une seule saison, jusqu'à une fin de diffusion, jusqu'à fin mai 2007. Donc pendant à peu près 5-6 mois, quoi. L'histoire de ce dessin animé, c'est une vache et un chat qui s'échappent dans une ferme, puisque bah, autrement c'était l'abattoir, quoi. Et ils rêvent de découvrir l'île des animaux, c'est un lieu légendaire en fait, où tous les animaux vivent heureux, c'est une sorte de paradis, tout simplement. Pendant 51 épisodes, ils vont chercher, ils vont trouver des îles, ils vont rencontrer à chaque fois des personnages dans chaque île, qui parfois, des fois, retrouveront dans d'autres îles. Et puis, jusqu'au dernier épisode, le 52e, où, magie, ils trouvent l'île des animaux. Enfin, en fait, ils la trouvent pas, mais ils la créent eux-mêmes. Bref, si vous voulez aller voir le 52e épisode, il y est sur Internet. J'avais pensé d'ailleurs à vous le publier, mais il y est déjà, donc ça sert à rien. À noter donc quand même que ça a été produit par Futuricon, je sais pas si je prononce bien le nom de la société de production, et puis bien évidemment avec France 5 également. Alors pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans chaque épisode comme décor, ben on allait dans tous les décors du monde entier. Il y avait des plaines, mais il y avait aussi des déserts, il y avait des montagnes, il y avait des jungles, enfin il y avait un peu de tout. À chaque fois donc des animaux rencontrés, avec notamment un chien et un cheval qui faisaient exactement la même chose, étaient un peu leurs ennemis, le cheval et le chien, par rapport à la vache et au chat. Et puis finalement, ils se retrouveront sur la dernière île à la fin, et ils seront tous contents. Donc c'est tant mieux, tout est bien qui finit bien, c'est le paradis, quoi. Voilà donc pour ce petite histoire de ce petit dessin animé. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez envie de revoir le générique que vous entendez en boucle depuis tout à l'heure, et puis le générique de début et de fin, donc, rendez-vous demain pour la vidéo archive des Têtes Blondes consacrée donc à la vache, le chat et l'océan, diffusée sur France 5 pendant Midi les Zouzous du 30 décembre 2006 à mai 2007. On se retrouve donc demain pour cette vidéo archive des Têtes Blondes. Il ne me reste plus qu'à vous dire vive le bonheur, et on est sous les millions de copains.